On va commencer. Pourquoi vous n'avez pas le son du jeu là? Et oui, le conte Vietnam Dioxin qui parle de ce même sujet. C'est le côté associatif, suivi et compagnie, et militant, donc du coup, en groupe, si vous préférez. J'en avais entendu parler grâce à une prof à moi, qui en avait parlé, qui avait fait un super sujet sur justement ça. Elle faisait partie de justement des personnes qui étaient pas en souffrance dessus, mais qui avaient vu les dégâts que faisait l'agent orange. Donc voilà. J'ai un problème de son. Vous n'entendez pas du tout Baldur. Je ne sais pas pourquoi. Alors attendez, parce que je me rappelle, c'est les modifications que j'ai fait pour Kallax, je pense. C'est les coupures de son que j'ai dû imposer pour Discord. C'est le problème. Alors attendez 2 minutes. Ouais, je vais mettre ça. Et c'est le 11. 11, 11, 11, 11, 11. Donc du coup, c'est celle-ci. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Et là, je peux l'enlever. Voilà, c'est juste que j'avais une piste sonore qui était partie. Bon, bah, j'espère que vous avez bien apprécié. En tout cas, Kallax, c'était cool, hein. Oui, J'ai eu du mal c'est à m'en fait. remettre, parce que j'ai enchaîné jusqu'à minuit après. J'en suis toujours parmi. La preuve, j'ai dû regarder le replay de la dernière fois pour être sûr de où on en était. C'est une personne qui est sur Twitter et qui a fait un space sur Et l'agent maintenant, que orange se et passe-t-il? l'écologie décoloniale, du coup. Parce que Oui, bien c'est sûr. vraiment de ça que ça parle. Et donc du coup de la dioxine qui a été mise sur le Vietnam. Alors c'était, je sais plus, il y avait la date. J'ai plus de cerveau depuis vendredi, donc du coup j'ai plus de mémoire. Le son du jeu est bien. Oui, bien sûr, parce que j'ai monté le son pour le Kallax, c'est normal. Voilà, je vais baisser. Je vais baisser, je vais baisser. Normalement, on est dans ces alentours-là. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Vous entendez moins les pas. Oui, j'avais monté le son très fort. D'ailleurs, pardonnez-moi si ça a saturé les voix de Raving Bell et Mando. La dame? C'est qui la dame? Il y a des sons en moins là. J'ai bien écrit dans l'appel à pas projet du coup, parce que c'est l'appel à engagement sur les réseaux là. J'ai mis Liminal Place et Backroom. Je crois que j'avais raison. Hein. Ça ressemble à ça. Hein. Regardez ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part. La dame qui parle de l'agent orange. Alors je parlais de ma prof et oui, il y a eu du monde hein, qui en a parlé dans le space, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vais fermer un truc, parce que... Alors...
J'ai compris un truc aussi, puisqu'on a eu un petit problème de connexion Passons aux choses vendredi. J'ai sérieuses compris que. maintenant. Ah, c'est quoi cette merde? Vase grise. Tiens, c'est la première fois qu'on les rencontre. Bon, c'est la même chose, c'est de la vase. 275 d'expérience, c'est beaucoup plus que Voltine et Grévis, donc on a bien fait de pas les faire. J'ai appris que c'était un truc. Ah, non! Ah non! Ah, c'est un garde noir, ça va encore. Vu qu'il est solo, de toute façon. On est d'accord que à l'intérieur, là, je peux dormir ou pas? Beaucoup trop de choses qui sont ratées, là, dans cette histoire. Faites ce qui est nécessaire, s'il vous plaît. Moi, je m'en vais. Oh non, il y en a deux! Vite, 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 vite. Puis-je vous aider? Fini lui, là. Pas fini lui. T'as pas d'autres flèches que tes flèches nulles, là? Non. Fini lui, là. Le serviteur de... à vos ordres. On va devoir faire du CAC 40 avec... On va devoir faire du CAC, tout simplement. Avec EGR. On se dit que eux, ça va. Ok, ok, c'est bon. Ils ont vraiment du dégât de feu nul, hein. Tu fais quelque chose, hein, aussi, Moen, hein. N'hésite pas. Non, tu te mets à distance. Ma lame vous coupera un morceau. Regardez, il prend pas de coups. Que voulez-vous qu'on fasse, là? Ah, mais j'ai pas remis, là. Alors, attendez, je vais mettre ça. Je leur ai remis leur conscience. Tiri. Heureusement qu'il y a Dante qui met des coups, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et maintenant, où? Maintenant, où? Une tâche Et maintenant, facile. Où? D'ailleurs, j'ai pas vu tes côtes, Clem Lelu, la dernière fois. Oui, c'est Trantonga. Je crois que c'est comme ça que ça s'est dit. C'est le procès qui est justement en cours en ce moment, qui est... alors, du coup, qui a beaucoup traîné, d'ailleurs, mais... Il a choisi de faire des économies en don... Non, c'est pas... Alors, du coup, c'est... Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas... Oui, alors, du coup, il y a des précisions incroyables, mais oui. C'est une dioxine qui avait été interdite, déjà, en plus, pendant longtemps. Oh non! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un combattant squelette avec des pièges activés. Tout va bien. Tout va bien. Eh bien, voilà. Chargé. Ouais, donc du coup, c'est la discussion autour de ça, justement, Clem Lelu, donc n'hésite pas. Avec le collectif Vietnam Dioxine. J'ai dit association tout à l'heure, mais je crois que c'est plus un collectif. On va envoyer quelqu'un, hein. On va envoyer notre porte-parole. Oui, bien sûr. Ah, c'est déjà des trucs de glace, déjà. C'est intéressant, hein. Est-ce qu'il... Ah, elle va nous donner de la vie, ok. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Le serviteur de la nature attend. On n'a pas immobilisation des gens, là? Des monstres? Je sais qu'il a fait des Kamehameha, déjà. Ah non, c'est bon, ok. Kamehameha. Alors je joue en casual. Salut Xark21. Comme tu peux voir, nous avons des gens qui tombent. On joue en casual, on est niveau combien? Le 5, 6? 7. On est niveau 7, on a fini la tour de Durlag.
Et on traîne du coup du côté de la guilde des voleurs, actuellement. On poursuit Sarah Evoque dans la guilde des voleurs. Je ne sais pas si je te spoil le jeu, bien sûr, vu que c'est un GOTY 2023. Enfin, et pas du tout un GOTY 98. Bon, on va faire 2$, hein, parce que c'est un Tactical Hill to Sleep. 200 heures de jeu. Oh, attends, j'ai pas compté, mais... Je vais compter. Je pense que niveau 7, je suis au moins à 150 heures. non, je crois que je suis à quelque part dans les 50. On va envoyer notre ami de la forêt. Et on joue sans mage parce qu'on... Voilà. Et sans chaussures, bien sûr, parce que... Voilà. On va envoyer notre ami de la forêt. Et on va lui dire immobilisation des monstres, si c'est possible, avant qu'on arrive. Et tu prends les coups, hein, c'est bien sûr. Tu vas prendre les coups à notre place. Parce que tu marches sur les pièges. Ah ? Ah ? Elle ne trouve pas le... Elle n'ouvre pas le chemin. Ce n'est pas une ouvreuse de chemin. La créature des feux de bois. Attendez, collons le mur, parce que je crois que le piège est quelque part là. Là, hop. Toi, tu peux y aller, du coup. Nous, on s'enfuit. Nous, on est team bras cassés. Bien sûr, on joue pas du tout la gagne. On joue la confusion. Ah. Ah. Deux coups. Mais vous êtes une créature des bois. Oui, bien sûr. Bon. Bon, bon, bon. Bien sûr, no spoil, hein. Sarah Evoque est peut-être méchant. Voilà. Donc nous, contre les gens, on a ce style de jeu. C'est-à-dire foncer dans le tas. Avec un peu de chance, on survit. Mais là, apparemment, on meurt. À cause des pièges. Comme d'habitude, hein. On n'a rien contre la magie, donc voilà. On va attirer quelqu'un. Oui. Apparemment, la créature des bois. Exactement. Team bras cassés et sans chaussures. Et, ce qui est des fois dur. Hein. Donc, on enlève le fait que tu vas l'attaquer. Moi, je veux juste voir si on peut passer déjà. Voir ce qu'il y a après. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a après? Merci. Pas de problème. Je mange ça tous les matins. Ce piège là. De l'enfer. Voilà. Maintenant qu'on a sauvé le personnage principal, les autres peuvent foncer. On va envoyer qui? On va envoyer Dorn et Razad. Mais je pense que ça va pas marcher parce que Razad il est pas très doué en vrai. Il va faire des Kamehameha, il va se débarrasser de 1. Bon. Ouais, mais c'est Dorn qui va faire le reste, hein. Alors, hop. À distance, c'est Razad qui fait. Pendant que Dorn fonce dans le tas. Les chaussures, c'est saut 90, oui. Exactement. Qui a besoin de chaussures dans ces RPG? C'est une bonne question. Ah. Ah. Dorn est décédé. Dorn est décédé. On va se faire bloquer par ces gens-là. Je suis dégoûté. Comment on va faire? Comment on va faire? Alors déjà, on peut essayer de passer déjà nos distances là derrière. Là, ça peut être pas mal. Ouais, distance derrière. Ça pourrait être cool. Du coup, il faudrait qu'on appelle la créature de la forêt. Je t'ai pas dit, mais j'ai du 360, ça c'est beau ça. Oui, mais tu sais, c'est pas très intéressant les raccourcis, on joue en casual gaming, you know. Ah. Ah, je crois qu'ils m'ont vu. Ah, mais ça, c'est de leur laisser leur conscience, ça c'est compliqué ça des fois. Attends, je vais essayer. Waouh! Ça, c'est un raccourci du tonnerre. Sauf qu'il faut savoir laquelle c'est. Faut être rassuré, quoi. Une plaie béante.
présente sur mer terre. Mais je la refermerai bien. Mais c'est intéressant. Moyen. Je prends. Merci, ça c'était un non-spoil, bien sûr. Merci. Après 50 heures de jeu, on apprend les raccourcis, c'est beau. Parce qu'on lit pas les manuels ici. C'est pas très intéressant. Comme on lit pas le lore. Ah, il y avait... Le piège activé, il est là. D'accord. Ah. Je le donne pour vous. Hein. 73, ça va, hein, franchement. Niveau 7, 73. À cause de la tour de Durlag, on a dû en avoir 40. C'est fait. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, est-ce qu'on peut checker si on n'a pas des nouveaux sorts? Parce que ça, c'est une grande question. Non. 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 Voilà, on n'a aucun sort déjà. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut en avoir quand même avec... Ah oui, c'est vrai que c'est de ce côté-là que ça peut être intéressant. Protection contre la mort. Vision lointaine. Ah oui, c'est vrai que vision lointaine, c'est bien. Appel du ménestrel, tu peux mettre ça, toi? Non. On peut appeler les ménestrels, ils peuvent lancer ce sort. Rends la vie à un compagnon. Ah bah voilà, on attend que ça. Faut qu'on ait son espacement de sort. Mais Dorn, tu peux lancer des... Ah mais... Dorn, il nous dit pas, mais on peut pas avoir de socle. La tour de Durlag, sans match, à vous, ça devait être rock'n'roll. Ça va. On a fait la technique du tu te bats contre toi-même face à l'autre, là. J'ai même pas lu, je crois, une notice. Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué, mais je crois que c'est Raving Bell et Mando qui a lu le maximum de notices. J'ai dû en lire une. Et après, tout le monde a compris que quand je disais en dessous, au-dessus, c'était mal parti. Sans mage ni voleur. Si, on a un voleur. Elle est pas très douée, mais on a un voleur. Il y avait un voleur, quand même. Oui, bien sûr. Pas dire ça, Clem Lelu. Je te trouve un peu... Un peu, voilà. Un peu excessif, on va dire. Fatalité, ah oui, c'est vrai qu'on avait des trucs comme ça. Bon, on va réussir à les passer, mais je sais pas exactement qui on peut en envoyer. Voilà, on va réussir. Hein. Une petite confusion, ce serait pas mal. Et du coup, il me faut la créature des bois. Oui, c'est ça. C'est une voleuse, Imoène. Mais par contre, il faut pas qu'on la regarde. C'est pareil, il faut qu'elle soit dans l'ombre. Comme pour Roland, ils sont un peu shy de la magie. Donc du coup, ils préfèrent utiliser leur compétence de furtivité uniquement quand il n'y a personne qui regarde. Sinon, ça marche pas. Oui. Voilà. On va y aller avec elle. Oui, bien sûr. On va sauvegarder maintenant, parce que c'est maintenant que ça part en vrille. Voilà, c'est exactement ça, Striga. T'as très bien compris le lore. Le lore, c'est que c'est compliqué. Faut pas regarder quand on ouvre un coffre, ce qui paraît logique. Hein. Qui a dit vous allez mourir? Moi, je veux lancer une confusion sur cette personne-là. Mais non! Pourquoi on la voit pas, la personne? Une tâche facile. Voilà. Mais non, mais elle est décédée avant! Tout ça parce que il faut aller lui voler les flèches, hein. Les flèches de glace, là. Mais rien ne va dans cette histoire. On va passer devant. Ah. Ensuite, on enlève la conscience parce que sinon il va tirer comme si c'était une tour... Ah, donc du coup, on n'a même pas de visibilité, là. Vous allez mourir. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi on voit plus, là? Ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Mais Roland, il est là. Me mettre juste à côté, je comprends pas. C'est quoi ce jeu? C'est fait. Oui, le lore, c'est que c'est compliqué. Bon, on a compris un peu qu'il y avait un système qui était un peu de... on essaie de carotter les gens. Mais bon. On va s'arrêter là. Ah non, mais il est là, en fait, le piège. Je pensais qu'il était plus tard. Bon, 2 minutes. Je reviens.
Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors du coup, ça marche pas. Qui c'est qu'on peut envoyer qui peut leur faire peur? Sinon, on essaye de voler. On peut essayer de voler. Moi, On va je essayer de voir si vole. notre duo de voleurs. Voilà. Donc déjà, il y a trop Oui, de gens qui bien regardent. sûr. C'est mal parti pour Imoen. Moi, je m'en vais. C'est bon? Bon, c'est un piège électrique, il faut juste voir une protèque électrique et ça passe. Non, on n'en a pas. Je rappelle qu'on n'a pas de chaussures. Hein. Voilà, c'est bon. On va essayer de trouver le piège. Déjà, si on arrive à passer le piège, c'est déjà pas mal. Normalement, il est là, quelque part ici. Pourquoi ils disparaissent ici? Ils sont pas dans mon ombre. Voilà, j'étais sûr. On n'a rien détecté, hein. Remarquez-le. Ah bah voilà. Salut! Je vais faire L, hein. C'est vrai que c'est mieux que de passer par le menu. Mais après, on essaye de rappeler la bonne époque, c'est-à-dire de ce jeu. Ah mais c'est vrai que je suis pas caché. Est-ce que vous pensez que je peux voler là? Non, pas du tout. On va essayer de faire un sauvetage. Yatta! Moi, je m'en vais. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande d'attaquer, vous attaquez pas. Il se passe quoi dans votre vie? Voilà. Où est notre confusionniste? Voilà, confusionniste, s'il vous plaît. Ça, c'est très fort. Allez, confusion. Confusion. Razab, tu peux balancer tes mains. Hein. Voilà. Il y a des confusions ou pas? Non, il n'y a pas de confusion. Ils ont dit, nous, on est anti-mage. Bon, Razad, tu peux t'enfuir si tu lances rien. Ça ne sert à rien d'être devant. Bon, un Kamehameha pour le plaisir de la vie. Merci. Voilà, tu peux partir. Jaera, qu'est-ce qu'elle fait, Jaera? Pourquoi on est bloqué là? C'est le bordel, c'est le bordel. Ah oui, immobilisation des monstres, ça c'est bien ça. On en a eu un. Razad est toujours vivant, ça c'est beau quand même. De loin, tu peux peut-être essayer, Imoen. Je propose à Razad de faire la position des mains pour se sentir mieux. Voilà, ça marche mieux. Ok, c'est qui se fait taper? Ok. Ça c'est quoi ça déjà? C'est pétrification de... Ah oui, ça faut qu'on le garde ça je crois. C'est pour nous ça. Ça c'est ce qu'on nous a donné pour pouvoir finir le jeu. On nous a dit ouais garde la pétrification c'est trop bien et tout. Ça sert ce truc. Oh non! What the fuck man? Il a activé le piège. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Et maintenant, que se passe-t-il? Harmonie défensive, ça serait pas mal maintenant. Voilà. Maintenant. C'est pas mal que tu donnes des soins à à Khalid. Oh là 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 là. Le piège de l'enfer. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle des bottes. Tout le monde ne comprend pas cette histoire de cordonnier, mais imaginez. Là, dans ce genre de cas-là. Eh bien, on n'aurait pas de problème. Parce que justement, dans ce genre de cas-là, on se retrouve avec de l'isolation par rapport au sol. C'est fait. 74, juste parce qu'on va on va pourchasser Sarévox, c'est quand même une histoire. Hein. On va s'arrêter avant, hein, parce que moi je veux pas déclencher le. Voilà. Bim, bim. Maintenant. On s'enfuit. Parce que c'est ça la technique. La technique, c'est ça. C'est de les attirer vers le bas. Ensuite, on a une confusionniste qui va nous confusionner les gens. Si elle meurt pas. Elle est morte. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Moi, je veux garder la confusionniste quand même, comme dans cette histoire. C'est quand même bizarre. Oui, bien sûr. Quand même, hein, s'il vous plaît.
On va déclencher juste le premier. Moi, je veux pas avoir les deux, là. Pourquoi il y a un... Ah, hop. Hop, on revient en arrière. Oui, bah, on va mourir, on a compris. On a compris. On prend les quatre. Et les quatre foncent. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était quoi cet aller-retour, là? Fonce sur lui. S'il te plaît. Vous allez mourir. Maintenant, on peut aller chercher les gens qui sont à distance et viser cette personne-là. Hein? Maintenant, on va faire immobilisation du méchant. Comme ça, on va faire genre. On fait quelque chose. Apposition des mains pour Azad, s'il vous plaît. Ah, il l'a pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça n'a pas marché. LOL. Attendez, on va regarder juste pourquoi ça n'a pas marché. Dorn lui tape beaucoup. Dorn, cela ne va pas être une mort rapide. Il est... Ok. Et du coup, là, le jet du sort, là, de résistance à la magie... Mais oui, c'est vraiment des anti... vraiment des anti-mages. Regardez, ce combat acharné. Voilà, et maintenant qu'on a fait ça, il faut voler les flèches, vu qu'on ne m'en achète pas. On va prendre ça aussi. L'arc long composite, on s'en fiche. Hop. Hop, et maintenant on va gagner, parce qu'ils avaient des flèches puissance 3, voilà. 4000, c'est beaucoup quand même. Et vu qu'on est dans la backroom, on peut faire dodo. Oui. On le rappellera pas assez, mais c'est le jeu. Ah, j'ai pas mis en catégorie, en tag. Faut que je mette en tag. Tactical Hill to Sleep. Parce que c'est ça. Il faut dormir pour pouvoir réussir à avancer. Voilà. Une tâche facile. Donc, on va envoyer notre groupe de porte-parole, bien sûr. Ah, mince. Nous avons... Ah, ça c'est bien ça. On a détecté enfin quelque chose. S'il te plaît, n'aie pas de conscience pendant quelques secondes, s'il te plaît, Khalid. Laissez-le passer derrière. Ah non, c'est vraiment un traître, il est en train de se mettre dessus. Oh là 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 là, la trahison, trahison. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Une tâche facile. Ça, c'était vraiment un truc de gestion de jeu, là. Par contre, tu peux viser, s'il te plaît, au lieu de viser Jaira. On a droit à une pierre précieuse incroyable. Okay. On a besoin de toi, Imoen, pour le déclenchement de ce piège, si c'est possible. Moi, je m'en vais. Non mais je cherche à avoir que Imoen, si c'est possible, devant. Oui, alors ça a l'air d'être anti-mage quand même, parce que c'est anti-magie. Bah, je pense que je vais mourir dans le piège, c'est ça la blague. Oh, oh, elle a réussi. Alors qu'on était tous en train de regarder dans le couloir. Incroyable. Une tâche facile. Ah, lol, un deuxième piège. Choqué de la réussite, toi, à ce point-là. Non, mais là, c'était gratuit, par contre. Franchement, là, c'était gratuit. Pas pour ça. Bon, on va envoyer tranquillement Imoen. Ah, mais du coup, elle avait pas déclenché. Elle l'a pas trouvé. What the fuck? Voilà, c'était ça, celle-ci que j'aime bien aussi. Pas de peine pour ceux qui sont tombés dans des batailles justes. J'aime bien cette côte aussi.
J'aime bien le... c'est un furoncle sur je sais pas quoi de la vie. Wouah, c'est vraiment, ça tue une personne au minimum. C'est dur, hein. Bon, on était juste devant, du coup j'ai besoin que tu fasses une détection de piège. D'accord. J'en ai assez. Oh là 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 là, 3 en 1, hein. C'est beau. C'est fait. Bon, on continue, hein. Je vais sauvegarder parce que là, c'est, je pense qu'elle elle réitérera pas. Je savais pas qu'il... Je croyais que c'était actif tout le temps, mais non. Comme quoi, on joue au jeu des fois. Hein. Ok, ça a l'air libre. Vous pouvez venir. C'est fait. Regarde. Arrête, elle nous a aidé beaucoup hein, à distance en vrai, elle a fait le taf. Hein. Mais là, on l'a tellement boosté en volage là, en talent, c'est ses talents. Voilà. Crochetage de serrure, on est quand même à 70, hein. C'est quand même incroyable qu'elle n'y arrive pas beaucoup. Ah non, je trouve pas qu'elle est... En fait, le problème, c'est qu'on l'a... Tant que tu passes pas de niveau avec elle, je trouve pas qu'elle est... Oh, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Mmh. Moi, je m'en vais. Ah, on peut regarder par la fenêtre. Ah. J'ai entendu un truc grincer. Oui, c'est ça. Les pièges cachés sont pas assez visibles. Ça devrait l'être. Genre, je sais pas, une enclume au-dessus de la tête, c'est visible quand même. Ah! Un petit trou. Je crois que le jeu en a marre de jouer caché. Il essaye de nous montrer des choses. J'aime bien les gens. On arrive, on arrive! C'est vraiment des vrais casseurs. Moi, en plus, Simone, elle a genre 12 ans, 13 ans, je sais plus. Mais elle est genre très jeune. Ouais, vas-y, va devant, hein. Et après, t'as tous les vieux de 36 ans, là, qui arrivent. Dorn, il doit être archi-vieux, en plus. En tout cas, il y a un symbole. C'est un symbole de mort, je pense. Clairement. Et maintenant, oui, bien sûr. On est vraiment dans les backrooms. Moi, j'ai fait la blague, mais en fait, c'est vraiment ça. Hein. On va regarder la map, mais regardez-moi cette map de l'enfer. On a vraiment que ça à faire. Là, il y avait un passage aussi. What? On a vu quelque chose ici, on n'a même pas réussi à passer. Et on n'a pas fait détection des illusions à cet endroit-là. Mais là, on est en détection, donc du coup, normalement, on devrait voir des choses. Bon, sauvegardons. On fera dodo tout à l'heure pour un Zan. Vous êtes une bien... Ah, ici. Ça ressemble vraiment à un JDR standard. Le voleur avance en lançant des dés, les autres joueurs qui attendent derrière. Ah, bah voilà, j'ai bien fait d'attendre en lisant ce chat. Merci Clem Lelu, tu nous as aidés. Regardez, c'était deux pièges pour rien en plus. On va continuer, hein. On va maximiser notre expérience avec Imoen pour pouvoir avoir encore furtivité. Exactement. Merci Clem Lelu, hein. On a la pression. J'ai pas de musique de pression, mais voilà. J'ai pas de musique de pression, mais j'ai autre chose. Attendez, je... Ah mais vous l'entendez pas? Si? Non. Oui, ça va dans V.
Mais pourquoi ça vous... Je comprends pas. Normalement, ça va au bon endroit. Ah non, mais c'est que pour moi, là. C'est normal. Et vous, vous l'avez pas. C'est dommage. C'est la musique de l'arrivée de Vegeta. Moi, je m'en vais. Oui, ça, c'est une technique de labyrinthe, Clem Lelu. Bravo. Il paraît que ça marche pour trouver le centre. Alors, est-ce que c'est pour trouver le centre ou la sortie? Ça, c'est une grande question. Et puis, peut-être les deux, hein. Ça sent le piège ici. Bon. Une tâche facile. Chers compatriotes. Chers collègues, plutôt. Il y a des symboles partout. Je pense qu'on va mourir, hein. Quelque part. Je m'en vais. Sauvegarde. Parce que là, je sens, ça va être un, voilà, ça va être un truc genre compliqué. En tout cas, elle les détecte. Si c'est pas avec les pieds, au moins elle les détectera avec les yeux. Mais grâce à la tour de Durlag, hein, je pense qu'on n'aurait pas eu le passage de la tour de Durlag, on n'aurait pas trouvé les pièges et augmenté les niveaux de Imoen dans la tour, on aurait vraiment eu du mal ici. On serait mort H24, hein. Je rappelle que c'est un kill obligatoire. Ah bah non, c'était Ah non! Ah non! Ah non 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 non, je suis pas d'accord. Vite. Comment c'est la musique là de bonjour, c'est exactement ce que voilà, bonjour. Vous êtes pas un anti-mage, ça c'est bien ça. Vous êtes un anti-voleur, on vous a vu. Oui, c'est ça, Benny Hill que je cherchais. À faire dodo. Non! Gera, tu vas aller où? Oh là là, Qu'est-ce que on vous fait dodo faites là. ici? Mais Razad, ne vous découvrez pas, mon cher. Voilà. N'empêche, on a fait notre. On est tellement riche qu'on a fait notre. Tout notre jeu à dormir dans les catarans. Ça, c'est beau quand même. On est reparti. Il n'y avait rien, mais on continue. Slip to L. Oh, bah voilà. Deux. Voilà, il y avait un piège. Juste parce qu'on n'est pas allé jusque-là. Est-ce que ces symboles verts ne seraient pas le symbole des pièges? Petite vérification. Oui, regardez. Là, il y avait des pièges. Donc, nous pouvons savoir si nous n'avons pas de voleurs, où sont les pièges? Alors, est-ce qu'il y en avait un là? Oui, il y en avait un là. Donc, du coup, par exemple, là, normalement, il n'y en a pas. On va faire le culot. Non, par là. On a dit le culot. Non, par là. Vérifions. Et là, il y a des rouges. Donc ça se trouve, il y a des murs. Ah! Vous croyez qu'il va venir jusqu'à moi? Oui. C'est quoi déjà comme monsieur? C'est une horreur? Non, c'est le garde de feu là. Faut aller plus vite là, Imoen. J'ai l'impression qu'au niveau vitesse, on n'y est pas. J'espère que vous appréciez ce système de jeu quand même, c'est beau.
Elle était bien celle-là. Reviens! Reviens! Reviens, t'es où? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, Dorn, il a réussi à passer par là. Quoi? Je comprends pas. Comment il a fait pour être à l'intérieur, lui? Comment il a pu traverser le mur? La zone est un peu buggée. Ah bon? Oui, ô figure autoritaire omniprésente pour le groupe. C'est fait. Par ici. Je soupçonne qu'il y aura d'autres personnes, mais on va faire la blague de encore marcher. Quoi qu'on peut envoyer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va plus vite que Imoen. Ce serait pas mal. On va prendre les chaussures. Mais ça change rien. Les pattes du guépard, ça marche pas avec, avec Imoen. Ah bon. Nul. Elle est considérée comme alourdie, là? En orange? J'imagine bien que le speedrun doit être infernal. Quoi faire? Bravo. Alors, attendez, parce que Nelintu nous montre cette assez young... Et comment il s'appelle? Attendez. Ça vient de quelle chaîne, déjà? Young Fe. Qui a fait Fur. Intéressant. Young Fegor. Oui, c'est vrai. Je crois que je suis... Ah non! J'ai éternué 2 minutes. Ça devient long, hein, comme bataille. Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est qui déjà? Ah oui, c'est le combattant squelette indemne. Ouais. Ah, je ferai de mon mieux. Attaque d'opportunité dans le dos. Ah oui, parce que faut pas se faire spoil, hein, on sait jamais, ça se trouve, on va jouer pareil que les grands speedrunners. Hein. Speedrunneuse. Ah, il est en balise. Il n'a plus contrôle de ses pieds. La musique est bien, hein, la musique de combat, là. Et la percu, en tout cas, est bien. Alors. On va peut-être faire dodo, attends Imoen, 2 minutes. On va sauvegarder un peu nos compagnons. Dire qu'on est en train de poursuivre quelqu'un, hein, je rappelle. On n'est pas censé n'empêche se prendre autant de pièges. Ah. C'est qui a la laine acide là? Une tâche facile. Par contre, Dorn, s'il te plaît. Le lore, on le lit. Oh là là, on le lit. Tout ce qui nous est dit, on le lit, par contre. Clairement, tout ce qui est à lire, par contre, on s'en fiche un peu. Hein. J'ai pas checké, mais vu qu'il n'y a pas le symbole, on va se dire qu'il n'y a pas de piège.
Le symbole vert, hein. Rappelons-le, cette tache verte symbolise... piège. Mais c'est un œil. Je reconnais. On dirait le symbole de Neverwinter. C'est Neverwinter, l'œil bleu, là. Ok. Eh ben, c'était la sortie. Super. Super. Super, on est au bon endroit. On va envoyer juste Rally de vite fait dans l'autre sens. Il y a Razad aussi qui peut aller vite comme ça. Hein. On est d'accord. Hein. Il n'y a rien. Ah si, un piège. Qui a failli nous tuer. Bon, c'est pas grave. Ah, non, non. Mais non! S'il n'y a pas le choix. Oh là 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 là, c'est archi long. Je sens que c'est ici la sortie, mais j'ai pas envie de. Voilà, je vais envoyer quelqu'un d'autre qui est quelqu'un qui ne détecte pas les pièges, bien sûr. Ça prend 15 ans. On peut se passer là, c'est bon? Ok. Le piège était pas très très vénère ici. On va rester là et on va envoyer notre cher ami coureur de fond faire tout le reste. Il peut encaisser quand même, hein. Il peut encaisser, il peut se taper. Bon, s'il y a des pièges, il est dans le cac, mais sinon, voilà, il y a un piège. Avec cette merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rôdeur invisible? Tu peux t'en sortir, normalement. Par contre, faut réussir tes jets, quoi. On croit dans les dés, hein, comme Yu-Gi-Oh! Je crois que les dés ont décidé d'être contre nous. Regardez-moi tous ces jets de dés ratés, là. Pas parce qu'il est invisible. On est là, si tu veux. De toute façon, même s'il est invisible, on est d'accord que il va nous suivre. On se retrouve... voilà. On va se retrouver là-bas. Moi, je soupçonne que c'est en bas, hein, qu'il faut aller. Voilà, on a notre coureur de fond qui vient de passer. Oui. Oui, il faut aller là-bas. Comme j'ai dit au début. Allez là. Et nous, on envoie du coup en bas. Ah, vous êtes ici, monsieur l'invisible. Voilà. Invisible, mais touchable. S'il vous plaît, touchez-le. S'il n'y a pas le choix. En fait, avec les gens invisibles, il faut aspirer leur vie. Donc on va faire ça. Hein. Ah, j'ai horreur. Intéressant. Je ferai de mon mieux. On avait... Attendez, on avait quelqu'un à discuter dans ce truc-là? Je peux toujours essayer. Et ça pue le piège. C'est Winsky Perotrat. Ma foi, je pensais bien que ce serait vous. Une vraie petite réunion de famille, pas vrai? Ah mais attendez, mais il n'y a pas le caption depuis tout à l'heure? Comment c'est possible ça? Pourquoi c'est off? Normal English, like. Oui, si tu veux. Transcript, open, text. Captation source, mais pourquoi il dit rien? Ah. Where is V-Mike? Voilà. Oui? Bonjour?
Il y avait pas de soucis depuis tout à l'heure. Il y a peut-être des chaussures en effet, en haut. Ah, c'est possible. Une vraie petite réunion de famille, pas vrai? Je savais que vous alliez suivre. Tous les deux, vous êtes du même sang. Combattez-le si vous ne voulez pas qu'il vous tue à la première occasion. Non pas que ce soit si grave. Vous l'avez déjà battu. Ses plans sont fichus et ses alliés quittent le navire. Eh oui, parce qu'on on est très fort en politique. De si glorieux projets, pourtant. Mais personne n'a compris le véritable désir qui les animait. Sauf moi, bien sûr. Malheureusement, je ne suis plus rien. Aujourd'hui, mais que pouvais-je espérer d'autre? Bonne question. Alors, quel rôle jouez-vous? Pourquoi l'aider si vous saviez que vous alliez vous faire rejeter? Où est-il allé? Qu'il n'espère pas de s'échapper? Qu'espérait-il de retirer de tout cela? Il devait savoir qu'appeler à la guerre contre l'âme dévoilerait sa manœuvre au grand jour. Quel rôle jouez-vous? Mon rôle? J'étais le mentor de Sarivok. Je l'ai initié au plus noir rituel. Si jamais il devait réussir, nul doute que je serais sur la liste des morts. Mais mon nom se perpétuerait, oui, à travers lui. Il y a des choses au-delà de la mort si vous mourrez comme il sied. Comment l'histoire pourrait-elle oublier l'architecte qui a battu ses actions et la grandeur du seigneur du meurtre? Vous ne pourriez pas comprendre, vous êtes là pour affecter les royaumes. Le reste d'entre nous doit se tailler sa place par tous les moyens possibles. J'ai l'impression qu'on a un destin. Comme dans Jouer à... Quelle arrogance! Votre mort n'en sera que plus méritée. Je vous tuerai volontiers, mais l'anonymat qui vous frappe sans doute sera sans doute un châtiment suffisant, hors de ma vue. Où se cache-t-il? Je veux en finir ce soir. Ouais, c'est du lore. Mais le lore nous donne, hein, tu vois, c'est pas besoin de lire, quoi. Maintenant, on ne sera plus que mérité. Je vous tuerai volontiers, mais l'anonymat qui vous... Ouais, on va mettre ça. Votre charité est admirable, vraiment. Votre voix n'est plus du tout celle de Sarivok. Mais au bout du compte, je me demande si cela comptera vraiment. Laissez-moi, je ne suis plus une menace. Ni pour vous, ni pour personne. Je vais juste me reposer ici un moment. En vrai, on aurait dû le tuer parce qu'il a quand même initié à des rituels. Non, on est d'accord que du coup, c'était par là la sortie. Hein. C'était par là la sortie. On continue par là. Peut-être qu'il y a... On va peut-être se retrouver. Hein. Une tâche facile. Je peux toujours essayer. Ah, je vais être bloqué là. Oui, on se retrouve du coup. Ok. Là, il doit y avoir un piège aussi quelque part. Ok, on se retrouve ici. Oui, une tâche facile. On va zoomer. C'est possible que... Ouais, il y a un piège là. Donc on va s'arrêter là. Tac. Détection des pièges. J'en ai assez. Là, normalement, il y en a un. Voilà. Il y en a peut-être plusieurs. Eh oui. Est-ce que d'autres personnes avaient remarqué ces rapports au symbole, hein? Ça, c'est la grande question. Je pense que oui, en 98. Ah, il y en avait un deuxième. Ça devait être de l'autre côté, je le vois pas, le mur. C'est normal. Ah, mais c'est peut-être une zone de piège. Ah ah, ceci expliquerait cela. Donc ça permet de savoir à quel moment on active le truc. C'est intéressant. Bon, ok. Une tâche facile. On va envoyer notre cher ami de vitesse. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, il y avait que dalle. Je suis sûr qu'il y a un moyen de traverser. Ah, il y a quelqu'un qui m'a tapé. Alors par contre, où? Je pense que c'est à travers le mur. Ah non, c'est quelqu'un invisible. Oui, c'est ça, c'était à travers le mur. Lol, ils sont 90. C'est très rigolo. Vite, Jaira. Il nous faut notre confusionniste en chef. Je ferai de mon mieux. On aurait peut-être dû dormir avant. It shall be even bloodier than you hope.
s'il n'y a pas le choix. Ah mais ils ont tué directement la créature. Ils sont vraiment méchants. Et du coup ils sont trois. Ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout ça. Utilisez bien sûr des trucs qui permettent de les tuer. Si c'est possible. Oui, je pense que c'est ça, c'est une histoire de résolution aussi, ouais. C'est possible que ce soit dans la version enhanced. Parce que ça devait être un passage compliqué ici. Tout ça pour de l'argent, hein. Regardez bien comment on est riche maintenant. Il n'y a plus de combat. Voilà, fais dodo. Hop hop hop. Une tâche facile. Je dois être. On s'est arrêté juste devant. Bon, cette... Oui, bien sûr. J'en ai assez. Il y a un truc. Il y a un truc que j'ai pas capté, mais du coup, on va se mettre là. Donc, un petit peu avant, un petit peu après. Bon, ok, c'est clair. C'est plutôt clair, en fait. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et du coup, ça doit être le symbole des ennemis, du coup, qu'il y a un ennemi dans la zone. C'est pour ça que c'est rouge. Après, c'est un peu plus clair que la tour de Durlag, quand même, dans l'histoire. Hein. On va envoyer... on va pas tous y aller, parce que j'ai un peu la flemme. On va envoyer notre coureur de fond. Parce que c'est la ligne droite, là, de toute façon. Il ramène quelqu'un, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, il y a peut-être... Ah non, c'était de l'autre côté. Personne. Bien fait. On a fait tout le tour. Donc, en regardant la map, c'était bien, du coup, Liminal Space, Backroom. J'avais bien vendu le truc. C'était vraiment ça. Avant même de jouer. C'est ce qui est beau. Du coup, on va là. Je me demande, du coup... Comment tu fais pour pouvoir en speedrun passer ce chemin? À part peut-être ne pas le faire du tout. Bon, là, à la limite, tu peux aller vite jusqu'ici. Ah, pardon. What the fuck? What the fuck, man? Enfin, j'ai trouvé mon chemin. C'est la fin du jeu? C'est la fin de la quête? Where is it? La sensation. Ah, c'est ça? Bon. On sauvegarde. Une tâche facile. Bonjour, c'est ici qu'on peut trouver un cordonnier? Drôle d'endroit pour croiser des vivants de la surface. Je me demande ce que vous faites ici. J'imagine que vous avez un lien avec le Donémé. Sareva Konchev! Nous n'avons rien à voir avec ça, c'est un homme vil qui ne mérite que la mort. La raison de notre présence ici et notre identité ne vous regarde pas. Avant de poursuivre, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Ravin. En speedrun, il passe souvent au travers des murs, comme Dorn. Ah, nous avons été envoyés pour traquer Sarivok. Il semble qu'il soit devenu fou et qu'il ait commencé à tuer tous ceux qui se dressaient sur son chemin, y compris Rieltar. Mais le trône voit d'un mauvais œil quand il assassine ses dirigeants, vous savez? Ah mince. Oui, c'est bien Sarivok, en effet. Vous savez, plus je vous parle et plus votre visage m'est familier. Oui, vous êtes Roland de la Tour de Bresson? Non, non.
Bon, c'est mon genre de chance. Vous tuez, va vous nous apporter une belle rallonge. Mais non! Ah oui, pas bête. Vous tuez, va nous apporter une belle rallonge. Je regrette, mais tout ce qu'on recherche, c'est votre cadavre. Oh non, un mage. Alors, attendez, y'a qui? Ravin. Carson. Aseo. Woodey. Torf. Je pense qu'on va se mettre là. On va se cacher, on va se mettre là. Tintin. Disposition d'attaque. Disposition d'attaque. Allez, hop, bim. Dorn, tu peux rester au milieu. Avec. Alors, on va se mettre là. Je ferai de mon mieux. Oh, on a bien fait de se séparer déjà. Ça, c'est une bonne technique, ça. Alors, hop. On a besoin de notre confusionniste en chef. S'il te plaît, tu peux confusionner dans ton coin. Allez, on se cache. On va se cacher avec Razad. Voilà. Ni vu ni connu. Hop, on va aller de l'autre côté. Hop. Et maintenant, qu'on t'a dans un groupuscule. Bim. Tu peux attaquer. C'est Imoen, ça. J'ai entendu Imoen. Plus loin, Imoen. Lui, là. Mais non, la nymphe est déjà blessée, pourquoi? Il y a un blême. Qui a invoqué un blême, là? Je vous aime pas. Moi, je veux... Mais... La nymphe, elle est bloquée, pourquoi? C'est à cause du blême. Quel enfer. On va mourir. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Moi, je m'en vais. Pour le groupe. Bon, on en a eu un. On va avoir celui-là. Non, celui-là d'abord. Youhouhou ! Voilà. Cache-toi, Imoen. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. La nymphe s'est fait bombe au clat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je m'affaiblis. Qui c'est qui est mort ? Non ! Pas parce qu'on a foncé dans le tas alors que notre stratégie était bonne. On va se cacher dans les ruines. Oh non! Mais c'est pour ça! On s'est fait avoir. Dans les ruines, il y avait déjà des gens cachés. Des blèmes partout. I've got 99 blèmes. En plus, ils nous donnent tellement d'argent à chaque fois. Merci, hein. Merci, hein. Voilà, on va se cacher ici. Nous, on a décidé, on se cache dans les ruines. C'est une bonne technique. Voilà, on sauvegarde, on fait dodo. Ouais, j'ai un blème. Exactement. Je fais des blagues de haut niveau. C'est le matin. Il paraît que c'est autorisé. Pour la gauche, Twitch. Bon. Qui c'est qu'on va envoyer Voilà, on va envoyer Dorn. Dorn qui est un vrai porte-parole. C'est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas mieux pour porte-paroler. On va envoyer aussi, bien sûr, porte-paroler tout le monde. On va aller chercher notre nymphe tout de suite. On va porte-paroler, bien sûr. Ensuite, on va se mettre en face. Oui, bien sûr. Pour toutes les personnes qui tirent à distance. On va diviser nos flèches. Je pense qu'on peut avoir des flèches. Non. Ah, c'est chiant, j'ai plus rien pour elle. Voilà. Je crois qu'elle a la capacité de faire double arme. Bon, allez porte-paroler les personnes qui sont bien sûr pas du tout au 440. Au CAC. Je peux toujours essayer. Je crois qu'on est parti, hein. Le service pour le groupe. S'il n'y a pas le choix. Alors, on va mettre un peu Razad quand même, un peu aller vers l'extérieur.
C'est sale. On tue la grosse bête, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant qu'il est confus, on peut taper lui. Il est confus aussi. Vraiment, ce passage là, j'ai mis mes deux mages double boule de feu, la diplomatie à coup de boule de feu, ça aide beaucoup. Mais oui, mais d'accord, mais t'as joué avec des mages. De toute façon, dans Donjons et Dragons de l'époque, le plus dur c'est de monter son mage. Niveau 5, après tu roules presque sur tout. Il y a une bague dans BG1 qui double les sorts niveau 1 qui aide beaucoup. Super. Mais on n'a pas de ça. On joue justement anti-intellectuel. Attendez, parce que là, il y a ma nymphe, elle a disparu dans les limbes. Non ! J'avais tué ma nymphe. Mais vous voulez pas le tuer, lui, là ? Merci. Ok, il y a des flèches. On prend la thune, déjà. Pip, pip, pip. C'était trop grave. On va donner ça à notre voleuse. Ah oui, mais elle peut pas porter masse de trucs. Bon, ça, des gens qui peuvent porter, s'il vous plaît. Et du coup, vu qu'on a terrassé du monde et que le combat n'est pas fini, que faisons-nous ? Moi, je sais, mais savez-vous, vous ? Bien sûr, récupérer toutes les thunes, hein. Le reste, on s'en fiche. Oui, bien sûr. Avez-vous une idée ? Eh bien, on fait dodo. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est cette position du mage comme roulage du jeu, est-ce que c'est pas un truc qui joue de la facilité ? C'est-à-dire que vous jouez peut-être niveau balle, je sais pas quoi, là ? Ou en fait, au final, un peu comme dans d'autres jeux, où finalement la boule de feu est très très bien. Mais comme d'habitude, quoi. Donc là, normalement, on devrait s'occuper de cette personne. Toujours s'occuper des mages. Et maintenant où ? Passons. J'en ai assez. Quoi ? Oui ? Pour ceux qui ont péri. C'est beau. Les projectiles magiques, c'est pas la même chose, c'est une baguette.
pas exactement la même chose. Et je vous rappelle que, en plus, nous, on a décidé de jouer avec ce qu'on ramasse. ce qui est aussi très bête. Hein. On achète tellement peu de choses, on n'a même pas de chaussures. Tellement on trouve rien dans les magasins. Le seul truc qu'on pourrait acheter, c'est des chaussures et on n'arrive même pas à en trouver. C'est n'importe quoi, quand même. Bon, je vais être sympa, Imoen, tu vas pouvoir lancer des trucs à distance, quand même, parce que... Ça me rend triste de te voir être prise à partie oui. Comme ça. Ouais, on s'en fiche de tout ça. Hein. Oui, il est très efficace. Après, c'est encore quelqu'un qu'il faut qui ait la possibilité de le porter, quoi. Vous vous sentez très malade et vous avez rendu gorge après avoir pris votre dernier repas. La tête vous tourne et vous ne savez pas pourquoi vous êtes si malade. Sinon, vous vous rappelez de ce que l'OTAN vous avait dit. C'est un empoisonnement. Finalement, l'OTAN disait la vérité. Il est le seul à posséder un remède. Mais... On lui a donné à l'OTAN. Rassurez-moi. Oh non, c'est pour ça que tu parlais de la dame. Je suis officiellement empoisonné. L'empoisonnement de la quête. Bon, on va tout droit, hein. On n'a pas le time pour ça. On n'a plus le time. Qui êtes-vous? Ah, mais c'est Tamoko. Bonjour, Roland Attention. Cette fois, je crains de ne plus venir vous parler, mais pour prendre les armes contre vous. Sans doute avez-vous fait votre devoir. Ça révoque à pris ma traîtrise. Alors, disons qu'on a discuté après qu'on ait fait déjà beaucoup de choses, Tamoko. Il a décidé de m'abandonner, de me laisser mourir sur votre route. Je dois me battre pour regagner sa confiance, son attention. Je me voici donc face à vous, sachant que si je gagne, il continuera ses projets ailleurs, et je le perdrai. Comme si, et que si vous gagnez, vous ferez tout pour le tuer. Il ne vous cédera pas, je n'ai pas le choix. Votre allégeance est limpide, mourrez comme il mourra sous peu. Je ne veux pas vous faire de mal, nous ne sommes pas ennemis. Vous le devez, je suis devant vous, en travers de votre route, je suis un obstacle qui vous retient, libérez. Combattez-moi. Libérez-moi, combattez-moi. Si je dois vous tuer pour passer, je le ferai. Je le ferai en vous pardonnant vos offenses à mon endroit. Si vous voulez gâcher votre vie ainsi, c'est qu'il est déjà trop tard. Et si tel est votre choix, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Vous parleriez philosophie à quelqu'un qui a vécu avec ses principes et combattu avec foi? Je n'ai que faire de vos sermons, vos paroles sonnent creux avant même de quitter votre bouche. Vous n'avez pas la force de caractère pour parer de véracité vos paroles. Défendez-vous car il n'y a point d'autre issue. Le chaos se répandra dans la terre, comme dans les cœurs et les esprits. Tamoko, tu as décidé pour toi? Il y a quelqu'un qui lui a asséné un coup, là. Ça lui a fait très très mal dès le début. Bon bah c'est fini, Tamoko. Donne-nous de l'argent. Tu ne pourras pas incantater. C'est fini. Ah, faut réussir par contre un moment. Voilà. Merci pour la thune. Salut. Oh, oh. Très joli, très joli, très 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 très, très joli. Envoyons ça à Dorn, qui n'a plus de place dans ses poches. En gros, tue-moi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on se débarrasse. Tiens, Xark, est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut faire avec les pierres de la tour de Durlag? Parce que j'essaie de les vendre, mais il n'y a personne qui veut les acheter. C'est compliqué. Moi, je soupçonne que ça va nous aider. Hein. Ça, c'est quoi? C'est plus 1, juste plus 2. Ah, pardon. J'ai failli vous ban, sans faire exprès. Merci. Moi, je crois savoir ce que tu... Je comprends ce que tu veux dire. Lancer des pierres. Je mets le... Oui. D'accord. Du coup, on peut faire un cairn quelque part ou pas? Parce que ça se vend peut-être, non? Ça se vend pas? Bon, de toute façon, on va les laisser ici, du coup. Juste devant. On va faire un cairn. On va dire qu'on est passé par ici. On va faire un cairn, là. Moi aussi, j'en étais sûr, mais bon, il faut bien le comprendre. Alors, voilà.
Moi, j'ai tenté de les vendre. Hein. On n'est pas encore allé à la maison de la dame. Ça se trouve, la maison de la dame, elle achète ça. Et pareil, la poudre de la mine. Est-ce que ça nous sert encore? Sachant qu'on l'a toujours, là. Le fer contaminé. Voilà, on peut tout porter maintenant. Super. Dorn. Dorn, tu es trop éloigné. Approche-toi, Dorn. On va te filer tous les trucs à identifier, Dorn. Comme ça, si jamais tu dois commencer ta quête tout seul et te barrer d'ici, eh bien, tu auras tout. On pleurera pas les trucs non identifiés. Non, on va le mettre, c'est une flèche. C'est abusé, quand même. Pareil, pour le faire contaminer, ça prend juste de la place. Mais ça sert à quoi d'en faire des objets dans ces cas-là? Quel est l'intérêt? Bon, on est devant. Trouvons la sortie. Nous, on veut pas aller dedans, on veut aller faire notre quête. On peut pas partir par là. Oh non, on va se retrouver face à des gens. On fait la découverte de la map, hein. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ça se trouve, on va tomber sur des basiliques, mes préférés. L'intérêt de troller le joueur. Après, rappelez-vous, hein. Ah. Nous t'attendons. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ouh là là, vous êtes beaucoup. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Non mais on vous attend, hein. On prend la thune. Oh non! It's correct. Plus de flèches. Comment ça, pourquoi t'as changé? C'est fait. On est revenu au début là ou quoi? Pourquoi on a que des trucs nuls par terre? C'est qui prend, hein? L'amplificateur. Et maintenant où? Oui, une tâche facile. On va être obligé de rentrer là. Moi je vais aller faire ma quête à la maison de la dame. J'ai besoin d'être soigné. Il a été pas très fort aussi. Il est pas très fort hein, en vrai. Hein. C'est un bon combattant dans le sens où il y va, on va dire. Mais il tape pas si fort que ça. En fait. Je pense que c'est une bonne team, Jaira et Khalid, mais le problème, c'est... C'est que derrière, il faut... Il faut quand même rester dans le sens où il faut être efficace, quoi. On va peut-être prendre ça aussi.
Ni vu ni connu. On va donner ça à Dorn. Et maintenant, oui, bien sûr. Ouais, il faut pouvoir traverser le temps, quoi. Parce que là, le problème, c'est ça, c'est... Je pense en team, ils sont efficaces, mais c'est face à des ours, quoi. Donc pas face à des trucs magiques, quoi, clairement. Hop. Ça sent la fin, ou le début de la fin, en tout cas. Et plus fort dans le 2, bah il a intérêt parce que il vit quand même des moments incroyables. Ils nous font croire qu'il a un peu peur et tout. Donc voilà, c'est intéressant. Hein. On est à Ombreville, c'est beau, hein. Ah là là. On a vraiment envie d'y aller. Ça pour quand on se retrouve face à Sarévoque qui est en fait disparu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, une goule. Une seconde goule. De l'argent. Ça vaut pas les loups à crinière blanche. Hein. Oui, on va passer par là. Ah! On va les attendre, hein, parce qu'il y a une porte. Ah, il y a quelque chose déjà par terre, ils ont tué quelqu'un. Non mais il y a toujours une porte, vous pouvez rester là. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, hop, tapez les autres. Ah oh, mon cœur n'y est pas vraiment. C'est possible qu'il y avait une nager, ouais. Malheureusement, on les a embêtés. Oui, je veux que quelqu'un porte-moi ça ailleurs, s'il vous plaît, merci. C'est fait. En plus, c'est Dorn qui doit y aller. Ça sert à rien que tu y ailles, toi. Dorn, va chercher ça. Non, mais prends, fais pas genre. Ah, merci. C'est fait. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on reste ici ou on va se soigner? Parce que on a la maladie. À chaque fois qu'on va dormir, ils vont nous dire « Ah, vous êtes en train de décéder !» Ça a l'air d'être la maison du méchant. De toute façon, c'est juste une discussion. Peut-être qu'on va s'en sortir vite. S'il y a combat, peut-être qu'on va s'en sortir vite aussi. Bon, on va essayer. Il reste combien de temps? 2 minutes. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pensez qu'on peut battre sa révoque? Allez, c'est parti. On va faire dodo. Regarde. On rentre dans cette maison. Bonjour. Ah, le logo. Ce sera ma confrontation finale avec Sarévoque. Je n'ai pas l'intention de laisser passer. Ah, c'était un piège. Lol. Il y a tout qui apparaît. Je ne comprends pas pourquoi. Bonjour. Nous appartenons à la même race. Personne d'autre n'aurait pu survivre pour m'affronter. Bien sûr, cela ne change pas grand-chose. Je finirai par m'imposer. Ce qui sera l'avènement d'une nouvelle ère pour les royaumes. C'en est fait, tant de cruauté. Ce dieu reste mort et vous allez le rejoindre. Vous êtes fou. Qu'allez-vous gagner à ressusciter un dieu mort? Il doit y avoir un autre moyen, mon frère. Nous pourrions nous allier et combattre ce mal ensemble. De quel droit revendiquez-vous cette nouvelle ère? Que se passe-t-il si j'essaye de vous en empêcher? Affrontez-moi! Faites face au nouveau seigneur du meurtre! Ouais, mais tu sais que les termes Nelintu sont modérés ici, normalement. Et moi, je l'ai lu mécaniquement, je n'aurais pas dû.
mais on voit la ref. Ah, tu te sens de refaire tout oui, bon... C'est ma seule volonté qui transformera les cris des mourants en cette puissance qu'il me faut. Je ne pourrais point abandonner mon rôle, pas plus que vous ne pourriez le jouer à ma place. Mais il est naturel que vous essayiez, c'est un beau testament pour notre lignée. Affrontez-moi, faites face au nouveau seigneur du meurtre. Angelo, Tazok, dévoilez-vous et finissons-en. Ça a l'air de bien se passer, hein. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Ah, je dois être plus touché que je ne le pensais. Donc il y a Angelo et Tazok en plus. On aurait dû les tuer. C'est fait. Une tâche facile. On peut s'allier les chauves-souris, vous pensez? Alors, on va essayer de voir. Bon, y a pas beaucoup de... Y a des pièges. On va peut-être déceler les pièges d'abord, peut-être, non? Voilà. Chauves-souris! Va! Bon, la chauve-souris a décidé de ne pas aller au-delà de l'ombre. Ok. Moi, je m'en vais. Point de piège. Bon, je pense que celui-là, on peut pas faire. On va charger, on va faire les deux sur le côté. Moi, je m'en vais. Préparons la salle. Je crois que ouais, il faut pas passer sur la tête. En effet, mais... nous appartenons à la même race. Affrontez-moi. Allez, salut. Faites face au nouveau seigneur du meurtre. Oh là là. Un mage qui se pointe au meilleur endroit de tous les temps. Allez, viens, viens. Une tâche facile. Mais passons, voilà, allez hop, tuez-le ce mec. Descends-nous. Et il a choisi, hein, il a choisi. Il a choisi. Il a décidé. Focalisez-le. Il n'y a plus personne, je peux plus sélectionner qui que ce soit là. Genre ils font ce qu'ils veulent en fait. Bon bah faites ce que vous voulez. Ah ouais, non mais en plus il déclenche des explosions autour de lui. On n'a pas fini, hein. Je peux plus sélectionner qui que ce soit. C'est quoi cette maladie de la sélection, là? Chaos, c'est ça? Chaos, grande malédiction, poison de Marek. Oh là là. Et là, ils se tapent entre eux. Mais on a réussi à l'avoir? Oui, on a réussi à l'avoir, en plus. C'est-à-dire que vraiment, en plus, c'est gratuit. L'empêcher, on va incantater.
On va un camp tâté. Parce qu'en vrai, si on est avec la confusion, ça passe. Non, c'est même pas confus, c'est vraiment, je peux même pas les sélectionner. C'est-à-dire qu'à la limite confus, tu vois, ils se baladent et je peux pas les sélectionner. Mais là, c'est vraiment, je peux faire aucune action. Ok, on va faire la même chose. Personne d'autre n'aurait pu survivre pour m'affronter. Bien sûr, cela ne change pas grand-chose. Je finirai par m'affronter. Faites face au nouveau Seigneur du Meurtre. Une tâche facile. Pour le groupe. Ok, c'est parti. Donc normalement, on prend le coup dès le début. Le serviteur de Dame Nature attend. Il y a un truc où on prend le début, on prend le coup. On va voir ce que ça, comment ça se passe. Voilà. Hop. Hop. Et il a déjà envoyé KO. Ah, c'est juste avant. Déjà envoyé KO. On va lui pomper sa vie. Hein. Hop. Fourvoiement magique, je crois que je l'ai. Bim. Ouais. Et t'as des flèches un peu plus puissantes que ça? Oui. Please-les, s'il te plaît. Je pense que c'est bon. Et maintenant, je veux que cette personne-là ne bouge plus. Ma lame vous coupera en morceaux. Ah non, c'est qui est devenu méchant? Oh là là. Bah apparemment il bouge toujours. Et du coup Jaira est confuse. Ah, c'est ça, blessure grave, c'est sur soi-même. Ça sert strictement à rien. Va taper les gens. Non, 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 je finis là maintenant. C'est juste que j'essaye. Un petit peu avant. Je pense qu'on est mal parti, mais. Tout à l'heure, ça allait bien. Là, c'est mal parti. Pourquoi ils avancent? Ils ont des flèches, pourquoi ils avancent? Il y a un garde du feu là en plus, oh là là. Bon, c'est mal parti. Bon voilà, on va s'arrêter là. Gestion collective du planning, exactement. Merci Striga de faire attention à moi. Alors, où c'est qu'on va aller? J'ai vu qu'il y avait Raven Bell. Qui joue à Stanley Parable. Ultra Deluxe. On va aller là-bas. Hein. Voilà. Résumé du stream. Merci Clem Lelu. Avec tes 3066 caractères. Merci Striga pour tes 610 caractères. Merci Xark pour tes 1280 caractères. Bravo. Vous avez caractérisé ce chat. Bon. Voilà, si vous voulez aller retrouver Raven Bell avec des spams, c'est comme ça. Et moi, je vais devoir vous laisser, du coup. Je mets la musique. On s'arrête là. Sans doute, on va aller la semaine prochaine, enfin, jeudi. On va sans doute aller se soigner plutôt que d'être ici. Je vous avoue. Voilà. Bonne journée à toutes, oui. Et on se capte jeudi. Normalement, dans les mêmes horaires. Voilà.
Et bon, bah, il reste 29 secondes, du coup je vous laisse sur la fin, comme ça c'est bon. À plus!